Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Bonjour à tous, nous sommes dans l'octave de la Nativité, c'est la fête de la Sainte Famille. Quelques mots aujourd'hui pour dire tout simplement que de famille nous en avons plusieurs. D'abord la famille du Christ est celle qui nous inspire, avec Joseph qui prend soin de Marie et de Jésus pour les préserver de la violence faite par Hérode, et puis également pour permettre à l'un et à l'autre de s'épanouir, de grandir, de vivre. La deuxième famille que nous avons, c'est celle que nous constituons avec le Christ, par notre baptême. Nous l'avons entendu à travers les textes, notamment dans la lignée d'Abraham, et bien naît un nouveau peuple qui est une famille, tous frères et sœurs dans le Christ. Et bien demandons en cette fête de la Sainte Famille au Seigneur de renforcer la vie dans nos familles, l'attention des uns envers les autres. Et je vous souhaite un bon dimanche. Seigneur Jésus, regarde ton Église avec bonté. Aide-la à trouver les mots et les gestes qui proclament ton amour pour que chacun ait le désir de vivre un véritable esprit fraternel. Seigneur Jésus, regarde les difficultés de notre monde. Sois la lumière qui conduit nos sociétés à des décisions plus justes et plus équitables pour protéger la dignité de tous et prendre soin de chacun. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus, regarde la souffrance des hommes. Fais qu'une main tendue, un mot affectueux ou une présence attentive apporte à ceux qui en ont besoin un signe de charité fraternelle. Seigneur Jésus, regarde la vie de notre communauté. Fortifie en elle la disponibilité et l'attention aux autres. En ces temps où les rencontres sont restreintes, que nous nous soutenions
pour supporter ses contraintes. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié.